Ce midi sur la Canoro, bonjour à toutes et à tous. On a un temps qui est variable, une bonne averse ce matin, elle est en train de se dissiper, la température extérieure est à 20 degrés, la température de l'eau est à 20 degrés, la marée est en train de descendre, le plan bas est à 15h15, les coefficients sont de 94. Sur cette marée descendante, le vent est tombé, il est passé avec un secteur nord-nord-ouest. Il y a un beau fort, des petites rafales à deux, le plan d'eau reste clapot, les phases de vagues redeviennent assez lisses. Et on a cette houle qui est moyenne avec 8 secondes de période orientée ouest-nord-ouest, qui est multipique, sectionnée, agitée. En atténuation par rapport à ce matin, on est maintenant sur un déferlement régulier à 80 cm, série régulière à 1 m, et il y a des grosses séries qui traînent encore à la hauteur de 1,20 m. Alors la marée descend, toujours des vagues en pic, un peu aléatoires, des épaules un peu courtes, mais les pics arrivent à ouvrir encore là sur le début du descendant. Il y a de quoi glisser, la barre est assez facile à franchir, et vous le voyez, c'est praticable pour les écoles, pour les confirmés, pour les débutants, de la petite, de la grande planche, pour les petits jeunes, c'est peut-être encore un petit peu trop taillu. Évolution pour le reste de la journée. La houle va continuer de baisser, elle est à la bouard cachant est à 1,66 secondes à la baisse, mais le vent devrait reprendre cet après-midi. On attend à 13h 1m, 1m20, houle ouest-nord-ouest, 8 secondes de période, vent de nord-nord-ouest, un de Beaufort, et à 17h 1m, houle ouest-nord-ouest, 8 secondes de période, avec un vent qui devrait revenir nord-ouest, dans les 2 à 3 Beauforts, un peu plus dégradés, mais bon, avec la mer à haute en fin de journée, il y aura quand même quelques bouts praticables. Je vous tiens informé sur le 08 92 29 78 73 à 14h, 16h et 18h. La bonne journée, merci.